Je teste ma nouvelle lampe hier. Sans pile, sans batterie. Donc directement rechargeable via câble USB-C. Voilà, il y a deux positions. Ça c'est la position double. Ça c'est position night shot directement de la caméra. Vous voyez, il y a un petit peu de grain. Quand je suis dans le noir, c'est quand même pas top. Donc je suis dans des caves. Ça c'est position 0, fermée. Position 1. Donc ça veut dire que il y a deux étages de LED hier. Ça c'est la première ligne. Donc voilà. Ça c'est la deuxième. Donc il y a apparemment il y aurait. Attendez, je vais regarder. Je me tourne. Comme ça en même temps. Ah, c'est nickel, nickel, nickel. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez deux rampes de 10 LED infrarouges. Donc vous avez une position avec les 10. Et vous avez une deuxième position avec les 20. Ça c'est nickel. Parce que comme vous avez pu remarquer, quand j'ai fait l'enquête ici près du convoyeur, quand je me filmais moi, il y avait vraiment un truc blanc devant. Donc mon visage était vraiment blanc. Et ici je suis tout à fait dans le noir, je suis dans le noir total. Et là vous pouvez regarder, c'est nickel. Parce qu'il y a beaucoup d'enquêteurs qui disent qu'ils sont en night shot, mais ils sont ok, ils sont en night shot via la caméra, mais ils n'ont pas de lampe IR. Et du coup, voilà quoi. On n'est pas tellement en night shot vu qu'ils mettent une lampe normale. Mais ici, je suis réellement dans le noir. Je ne vois même pas, je ne saurais même pas vous dire ce qu'il y a ici devant. C'est pour vous dire. Je vous mettrai la description de cette lampière. C'est mieux que les autres lampières qu'il faut alimenter en 12 volts. Il faut trouver un système pour mettre la batterie 12 volts. C'est encombrant. Maintenant, je ferai un test de nuit pour voir quand même si de nuit avec une comme ça c'est assez pour filmer l'extérieur de nuit. Donc le premier test pour moi je lui donnerai 9/10. Maintenant je verrai bien tout à l'heure dans le noir à l'extérieur ce que ça donnera. Mais franchement pour le prix, c'est vraiment, vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai les deux liens. Je vous mettrai le lien sur Amazon et je vous mettrai le lien sur AliExpress. Et ce sera à vous de voir où vous voulez commander. Mais enfin, voilà, pour les enquêtes et tout à l'intérieur, c'est nickel. Ça ne pèse rien du tout. Et je vous dis... c'est rechargeable par un USB-C, donc de GSM. C'est tout à fait, c'est génial. Franchement, j'en suis super content. Je ne regrette vraiment, vraiment, vraiment pas de l'avoir acheté. Eh bien, les amis, je vous retrouve pour vous à tout de suite. Mais je vous retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Eh bien, voilà, les amis. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour la démonstration de la nouvelle lampe hier. Je vous mettrai
comme je vous ai dit dans la première partie, la marque, c'est la marque Ordro. Donc voilà, je vais vous montrer, je suis à l'extérieur et je vais vous montrer la performance de cette lampe. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment très content. Je vous montre ça de suite. Voilà. Nous sommes à l'extérieur. Je vais tourner sur moi-même. Voilà. Voilà. Vous voyez la qualité de l'image en night shot à l'extérieur. Je vais me rapprocher. Vous voyez, la qualité. Donc ici je suis en full lampe, full LED. Voilà, là je suis là. Attendez, je ne suis pas encore habitué. Là je suis sans LED. En fait je suis en eye shot d'origine avec la caméra. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Vous voyez, alors maintenant je vais me mettre avec les 10 LED. Voilà, vous voyez déjà la différence. Si vous faites une enquête à l'extérieur, c'est déjà pas mal. Je vais essayer que le détecteur ne s'allume pas. Là, vous avez la barrière. Vous voyez. C'est déjà vraiment, vraiment pas mal comme ça. Vous voyez, on voit vraiment, vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, je vais passer aux 20 LED hier. Voilà. Voilà, les amis. C'est vraiment, vraiment nickel. Et je vous dis, c'est rechargeable avec un USB-C, un USB de téléphone. Vous voyez, la meurtrière. On va se rendre à la chapelle. Je ne vois rien du tout, moi, je suis complètement dans le noir. Vous voyez? Ok.
qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors ici, je suis à peut-être 20-30 mètres des autres bâtiments. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je filme, je suis complètement dans le noir et je vois quasiment la totalité du château. Je vais mettre ma main devant, regardez la différence. Je vais enlever ma main, hop, voilà. Rien du tout. J'espère que je ne vais pas me planter. Je vais vous montrer le dernier test, le jardin. Je ne sais pas si vous verrez à cause de la barrière. Ici vous avez la chapelle. Là, vous avez la chapelle. Je ne suis pas sponsorisé, ce n'est pas une vidéo sponsoring. C'est simplement une vidéo pour vous montrer la qualité de ce petit objet qui est à moins de 30 euros. Voilà. Et plus je vais me rapprocher, vous voyez, plus on voit. Ici, je suis peut-être encore à 10-15 mètres. Et plus de problème, je n'ai plus de problème de batterie, 12 volts. Ça prend de la place, c'est encombrant. Non, franchement, c'est une qualité... Je n'aurais jamais cru. Je vais essayer de me mettre comme ça. Regardez le jardin. Et ici, je suis peut-être à 50 mètres. Et je ne zoome pas. Hein. Maintenant, on va zoomer pour voir. Vous voyez, j'arrive même à filmer à l'intérieur du château. Vous voyez, regardez. Et je vous assure, les amis, que je suis uniquement en infrarouge. Je n'ai pas de lampe torche. Il y a beaucoup d'enquêteurs que j'ai remarqué. Ils sont en night shot, mais ils ont quand même leur lampe torche. À quoi ça sert de se mettre en night shot avec une lampe torche? Comprends pas. Bon, maintenant chacun fait ce qu'il veut. Je ne dis pas mais enfin voilà, c'était uniquement pour vous montrer qu'il y a moyen d'avoir du très très bon matériel pour pas cher du tout. Je vais
vous laisser sur ce. J'espère que vous auriez apprécié cette vidéo. Si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas. Mettez-moi en commentaire. J'aurai un tuto qui va bientôt sortir pour faire un pod soi-même. Donc, je vous ferai la vidéo de A à Z. Et voilà, je vous mettrai également en description les liens de cette lampe IR de la marque Ordro. Et bien les amis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.